Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une paire de mitaines avec des motifs de cœur. Donc, comme vous l'avez compris, c'est une nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin. Et je précise aussi que dans la vidéo, je montre la réalisation uniquement de la main droite et non pas de la main gauche, car la main droite, c'est la main la plus compliquée, si j'ose dire, à réaliser. Alors, en matériel, vous aurez besoin d'aiguilles double pointe numéro 4,5, de marqueurs, un petit arrête-maille, 50 g de laine foncée pour le motif et 50 g de laine claire au choix. Pour commencer, vous allez monter 28 mailles que vous allez répartir sur vos 3 aiguilles double pointe numéro 4,5. Alors moi je fais un nœud personnellement et je rentre l'aiguille gauche à travers la boucle en haut à droite et je viens serrer et ça forme ma première maille. Et c'est à partir de cette première maille que je vais monter toutes les autres mailles en piquant mon aiguille droite dans cette maille. Je tourne le fil autour de l'aiguille et je fais ressortir le fil à travers la première maille que j'ai créée et que je viens placer sur mon aiguille de gauche. Et je fais comme ça jusqu'à la fin, je répète cette opération, je pique, je tourne le fil autour de l'aiguille et je fais ressortir le fil à travers ma maille pour la placer sur l'aiguille. Donc vous montez 28 mailles au total. Une fois que vos mailles ont été montées, vous tournez les aiguilles dans l'autre sens de façon à ce que le fil court soit à gauche et le fil de la pelote à droite. Et maintenant, vous allez tricoter 10 tours en côte de 2 qui représenteront donc 5 cm de hauteur totale. Donc pour tricoter des côtes, c'est très simple. Vous allez alterner 2 mailles en droit et 2 mailles en vert que vous allez répéter en permanence jusqu'à atteindre la fin de votre tour. Et vous allez répéter ceci sur 10 tours au total. Quoi qu'il en soit, il faut que ça fasse environ 5 cm de hauteur. Et moi, j'ai remarqué qu'il fallait tricoter à peu près 10 tours pour que ça les représente. Après, si vous le désirez, vous pouvez tricoter plus court ou plus haut. Ça dépend de vous. Vous allez ensuite réaliser un second tour en tricotant en jersey en droit. Par contre, vu que nous allons devoir réduire le nombre de mailles, il nous faudra 25 mailles au lieu de 28. Vous allez donc réaliser 3 diminutions en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit comme je le montre sur la vidéo. Donc il faudra une diminution sur chacune de vos 3 aiguilles. Donc 28 mailles moins 3 est égal à 25 mailles au total. Vous allez ensuite vous munir du diagramme que j'ai réalisé et qui va nous permettre donc de réaliser ce magnifique jacquard en forme de cœur. Pour la réalisation donc de la main droite, le diagramme, sachez qu'il se lit toujours de gauche vers la droite. Par contre, pour réaliser la main gauche, c'est tout à fait l'inverse. Il vous faudra lire chaque ligne du diagramme de droite vers la gauche. Donc je récapitule, là étant donné qu'on réalise la main droite, vous lisez toujours le diagramme de gauche vers la droite. Une ligne représente un tour et un carreau représente toujours donc une maille. Les petits
Les petites croix que vous voyez dans les carreaux, ça veut dire qu'il faut utiliser la laine rouge. Et les carreaux où il n'y a rien du tout, il faudra utiliser la laine blanche. Alors pour réaliser correctement le jacquard, moi personnellement je vous préconise vraiment, je vous conseille vraiment de tricoter de façon assez lâche, de façon à ce que le tricot soit assez élastique pour que votre main puisse passer correctement. Il ne faut vraiment pas que le tricot soit trop tendu, trop serré, sinon en mettant et en portant les mitaines, vous n'allez pas être à l'aise du tout. Donc ça c'est vraiment très important lorsqu'on tricote le jacquard. Et bien de tricoter de façon assez lâche. Et vous verrez durant la vidéo que je montre une petite technique que vous avez sûrement déjà vue dans d'autres vidéos, parce que j'ai déjà montré des vidéos où je tricotais en jacquard, où je ferai tenir de temps en temps, régulièrement, très régulièrement même, le fil rouge grâce au fil blanc, pour pas qu'il pende trop sur une trop longue distance sur le côté envers de notre tricot. Et ça c'est très important de le faire. Pour éviter de s'accrocher avec les fils lorsqu'on enfile en fait la main dans la mitaine. Et maintenant je vous laisse faire imprimer écran du diagramme que vous pourrez imprimer et qui va vous servir à réaliser donc la suite des explications qui vont suivre juste après. Nous allons donc réaliser pour commencer la première ligne du diagramme. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut commencer donc la lecture, il faut lire de gauche vers la droite. Donc pour commencer, nous allons donc réaliser 4 mailles que nous allons tricoter en jersey endroit. Alors tout se tricote en jersey endroit lorsqu'on fait du jacquard, avec la laine blanche, donc 4 mailles avec la laine blanche. Ensuite, vous allez prendre votre laine rouge et vous allez réaliser donc une maille avec la laine rouge. Il faut bien suivre les explications du diagramme. Et si vous suivez correctement les explications, il n'y a pas de problème, hein, le motif va se réaliser petit à petit. Ensuite, vous allez tricoter 7 mailles avec la laine blanche. Mais après avoir tricoté 3 ou 4 mailles, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je vais faire tenir grâce au fil blanc le fil rouge. Pour pas qu'il soit étalé sur une trop grande distance. Je fais passer le fil rouge par-dessus le fil blanc et je tricote la maille suivante. Et là, sur le côté envers, on peut voir que le fil blanc tient correctement le fil rouge. Et là, vous finissez de tricoter vos 7 mailles en blanc. Nous allons passer maintenant à la réalisation de la seconde ligne et vous allez commencer donc par tricoter 3 mailles en droit avec la laine blanche comme je le montre. Donc vous tricotez 3 mailles avec la laine blanche, puis une maille avec la laine rouge. Une maille blanche, une maille rouge, puis par la suite 5 mailles avec la laine blanche. Suivez bien comme il faut le diagramme.
Pour réaliser la troisième ligne, vous allez commencer par tricoter 2 mailles en blanc, 1 maille rouge, 3 mailles blanches et 1 maille rouge. Puis vous continuez la suite du diagramme. 3 mailles blanches, 1 maille rouge, 3 mailles blanches, 1 maille rouge, 3 mailles blanches, 1 maille rouge, etc. Il faut suivre comme il faut le diagramme du début jusqu'à la fin de la ligne, toujours en lisant de gauche vers la droite. Et tricoter de façon assez lâche pour créer un tricot assez élastique. Quand vous avez fini de tricoter la cinquième ligne, nous passons à la sixième. Vous allez placer un marqueur juste en dessous de la seconde maille. Et vous allez placer un marqueur sur la deuxième aiguille après la 16e maille. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Ça va servir de repère pour commencer à tricoter la première maille rouge de la sixième ligne en fait. Et là, ce que vous allez faire, vous allez réaliser un jeté avant et après la seconde maille. Tricotez une maille, vous faites un jeté, vous tricotez la maille suivante, où il y a le marqueur, et vous réalisez un autre jeté, après celle-ci. Puis ensuite, vous suivez les explications de la ligne numéro 6 du diagramme. Donc toutes les mailles sont blanches, jusqu'à arriver au marqueur que j'ai placé tout à l'heure, après la 16e maille. Et régulièrement, donc, vous allez faire tenir le fil rouge avec votre fil blanc à peu près tous les 5 mailles. Parce que sinon, le fil rouge va pendre sur une trop longue distance. Alors pour que vous compreniez bien comme il faut, je vous ai mis quelques explications écrites pour que vous sachiez absolument tout dans les détails. Car il y a des choses très importantes à savoir, notamment le fait qu'il faut réaliser les jetés avant et après la deuxième maille sur des rangs précis ou des tours si vous préférez, au 6e, 8e et 10e tour précisément, ce qui va faire 6 mailles en plus. Et surtout, n'oubliez pas de tricoter les jetés sur les rangs impairs, par le brin arrière pour pas qu'il y ait de trous, ça c'est très important à savoir. Donc maintenant nous en sommes à la ligne 11.
Et ce que vous allez faire, vous allez mettre en attente les 9 premières mailles qui représentent le pouce, donc qui sont sur votre aiguille gauche, sur votre tout petit arrête maille. Donc là, il s'agit de la main droite que nous sommes en train de réaliser, parce que pour la main gauche, c'est différent, comme vous l'avez vu sur les explications écrites. Puis vous allez tourner dans l'autre sens vos aiguilles double pointe. Donc là, vous allez pouvoir apercevoir le côté envers. Et à partir de la première maille qui est juste à gauche, eh bien vous allez monter 9 mailles qui vont passer au-dessus du pouce. Donc moi personnellement, je monte les mailles comme je l'ai fait au départ. Mais vous pouvez utiliser la technique que vous désirez. Et une fois que vous avez monté donc vos 9 mailles, eh bien vous commencez à tricoter donc la ligne 12 du diagramme. Et avant de continuer à tricoter les autres lignes du diagramme, moi personnellement, je vous conseille de faire passer les 9 mailles qui représentent donc le dessus du pouce, si on peut dire. Vous les faites basculer sur l'aiguille gauche et ensuite vous égalisez le nombre de mailles sur chacune de vos 3 aiguilles. C'est-à-dire que vous faites en sorte qu'il y ait à peu près le même nombre de mailles sur toutes vos aiguilles. Comme ça, ce sera beaucoup plus pratique pour tricoter. C'est mieux qu'il y ait à peu près le même nombre de mailles sur chaque aiguille pour pas qu'il y ait trop de différence, hein, parce que si un côté où il y en a 5 et l'autre côté 16, ça va pas être pratique pour tricoter. Donc là, je suis en train de vous montrer ce que ça donne après avoir tricoté le cœur. Alors le diagramme n'est pas tout à fait terminé, il reste encore le motif zigzag, mais je voulais vous montrer un petit peu l'impression que ça donne et qui est vraiment très 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 jolie. Lorsque vous avez terminé de tricoter donc le diagramme, eh bien vous allez mettre en attente le fil rouge car on va en avoir encore besoin tout à l'heure et vous allez tricoter 2 tours en jersey endroit. Puis vous allez prendre votre laine rouge, vous allez couper le fil blanc parce qu'il ne vous sert plus à rien maintenant, et vous allez tricoter un tour en jersey endroit, un tour en jersey envers et un tour en jersey endroit. Donc ça va former en fait le point mousse, vous l'aurez bien compris. À la suite du point mousse, ce que vous allez faire, c'est rabattre
toutes vos mailles. Donc là, en fait, rabattre les mailles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez arrêter votre tricot parce que là, nos mitaines sont pratiquement terminées. Il va nous rester que le pouce à réaliser. Donc pour rabattre les mailles, je vous conseille de les tricoter en jersey envers. Donc vous tricotez une première maille en envers et la seconde, et vous passez la maille précédente par-dessus la maille que vous venez tricoter. Vous tricotez une autre maille envers et la maille précédente, vous la faites passer par-dessus la maille que vous venez tricoter. Et ainsi de suite, vous faites comme ça jusqu'à la fin. Et ça formera donc une jolie bordure en jersey envers. À la fin, il vous restera une boucle et il vous faudra couper le fil rouge en laissant une bonne longueur et vous rentrerez le fil à travers cette boucle que vous allez serrer. Et vous allez faire rentrer ce même fil à travers la première maille en haut à gauche, comme vous pouvez le voir. Je rentre le fil à l'intérieur de cette boucle-là et je vais venir faire un nœud pour raccorder en fait les deux extrémités et je vais venir serrer. Et ça va former une jolie bordure bien comme il faut, bien droite. Ensuite, à la fin, il vous restera la réalisation donc du pouce. Et pour cela, vous allez placer sur une aiguille droite les 9 mailles qui sont sur l'arête maille. Et avec une seconde aiguille, vous allez relever 7 mailles, ce qui en fera 16 au total. Et les mailles qu'il faut relever, il faut les relever sur le bord qu'il y a juste au-dessus. En tricotant un premier tour en jersey endroit, à l'aide de votre laine blanche, je précise, vous allez répartir 5 diminutions, ce qui fait que vous aurez au final 11 mailles. Et après ce premier tour, vous allez tricoter environ 7 tours supplémentaires, toujours en jersey endroit. Avant de rabattre vos mailles, en les tricotant en jersey envers, comme je l'ai fait tout à l'heure pour la fin de mes mitaines. À la fin, il vous restera qu'une seule chose à faire, c'est rentrer tous les fils de réalisation sur le côté envers donc, de votre tricot. Vous vous servirez d'une aiguille et vous rentrerez le fil dans des mailles envers, avant de le couper. Et voilà le résultat. J'espère que ce tutoriel vous aura plu autant que moi. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon site internet où vous pourrez retrouver toutes les photos de création, vidéos, blogs, conseils, etc. sur lamecreativedemelo.fr. Et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter si vous voulez recevoir les dernières nouveautés et notifications. Je vous dis à très bientôt. Bye bye !